Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe TV Caraïbes depuis Montbado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous parle en direct ensemble avec vous dans le jardin palais national d'Haïti. Côté président de la République, Jovenel Moïse, première dame, Martine Moïse, et premier ministre AIA, Jean-Michel Lapin, avec l'autre grosse autorité dans l'État, pour aller passer un moment ensemble. Ça, c'est occasion. Fin d'année côté président République là, Jovenel Moïse, pour aller parler avec population hein, et pour le capable dit nation, bonne fête et bonne année 2020. Eh bien, ça c'est l'occasion pour président parler avec nation hein, pour adresser dans saison fête là. Eh bien, nous pas perdre temps non là, nous pas l'inviter au suivre président République là, Jovenel Moïse qui pourra parler avec population hein, côté en pile autorité dans l'État avec différents secteurs. Vin participer dans grand événement ça. Eh bien, nous pas perdre temps. Nous pas l'inviter à suivre président République là, Jovenel Moïse qui pourra parler avec population, avec tout l'autre monde qui fait partie des activités ça ou bien festivités ça. Eh bien, nous pas perdre temps. Nous pas l'inviter à suivre. N'a pas commencé coulier. Patrice Télévision Nationale d'Haïti, bonsoir. Jeudi à mercredi 18 décembre 2019. Télévision Nationale d'Haïti avec vous dans le Jardin Palais National. Côté président républicain Jovenel Moïse, accompagné première dame Martine Moïse et premier ministre AIA Jean-Michel Lapin, a recevoir officiellement dans le Palais National traditionnelle salutation à vœux gros autorité l'État. Là, c'est le président républicain qui fait l'entrée au lit dans le jardin palais national. Et c'est le bon ça, il déroule une occasion fête fin d'année, qui est donc une semaine avant 25 décembre, qui se joue fête Noël. Son Excellence Jovenel Moïse, de la première dame, Son Excellence Madame Martine Moïse, Son Excellence Monsieur Jean-Michel Lapin, Premier ministre. Bienvenue dans les jardins du Palais National à l'occasion de la traditionnelle salutation officielle de fin d'année des grands commis de l'État. Monsieur le Premier ministre, vous êtes invité à prononcer vos propos de circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, la Première Dame de la République, Monsieur le Président de la Cour de cassation, et président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, mesdames, messieurs les ministres et les secrétaires d'État, messieurs les parlementaires, messieurs les juges de la Cour de cassation, les représentants des institutions indépendantes, monsieur le protecteur des citoyens, mesdames, messieurs les représentants des banques d'État, mesdames, messieurs les hauts fonctionnaires d'État, mesdames, messieurs les représentants des organisations internationales, monsieur le commandant chef AI et les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, monsieur le directeur général AI et les membres du commandement de la police nationale d'Haïti, mesdames, messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, mesdames, messieurs, dans le respect de la tradition, j'éprouve un plaisir particulier à vous présenter tous mes vœux pour cette saison de Noël qui précède la nouvelle année qui s'annonce. Et puis que le président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, m'a investi de sa haute confiance, mes fonctions de Premier ministre AI m'ont placé dans une situation qui éprouve ma conscience citoyenne en mesurant sans cesse ma responsabilité de grand commis de l'État. Cette année 2019
n'a pas épargné notre pays en grande difficulté de toute nature. La République a été exposée aux pires dangers qui ont trahi nos lacunes et révélé nos carences. Je me contente de souligner la cohésion et la fermeté des pouvoirs publics dont le savoir-faire nous a permis d'échapper au pire. Je dois redire l'admiration qui m'inspire l'extraordinaire courage du président de la République qui a déplacé sa vie personnelle en faveur de son serment constitutionnel. Le président n'a pas livré la République. Dans ces moments difficiles, nous devons reconnaître que la République d'Haïti n'était pas seule. Les amis de la coopération internationale ne se sont jamais ménagés chaque fois que le peuple haïtien était en situation de recevoir leur support ou leur assistance. Cette occasion est la bonne qui permet de leur renouveler nos profondes gratitudes auxquelles s'ajoutent nos meilleurs voeux de bonheur. Il y a une leçon à retenir. Nous avons le devoir de construire notre pays. Et cet effort viendra de notre capacité à envisager de nouvelles manières de faire pour vivre ensemble. Car il nous est impossible de vouloir continuer à faire les mêmes choses, à répéter les mêmes erreurs qui aboutiront certainement au même résultat. Nous devons revoir notre société, questionner son identité, chercher à mieux comprendre le malaise qui la bouleverse et qui empêche aux Haïtiennes et aux Haïtiens de mettre ensemble ce qu'ils savent et ce qu'ils ont pour un vrai projet national. En ayant été choisi comme Premier ministre haï pour être nommé un peu plus tard, avant de le demeurer de fait, j'ai toujours compris qu'il y avait un défi immense. Je me suis dit, pour l'admettre, que j'avais un rôle à jouer et que j'avais une vision à proposer. Je voulais tracer une ligne, des lignes pour redessiner notre pays et lui donner de nouvelles couleurs. Ainsi, je m'apprêtais à rendre possible les conditions nécessaires à l'application des politiques annoncées par le président de la République. J'entendais exercer mon mandat au service de la population haïtienne à travers le remembrement de notre système administratif. Dès maintenant et dans les années prochaines, les gouvernements, quelle que soit leur tendance, auront à adopter ce projet pour le placer au carrefour de la constance et de la détermination. Personnellement, je suis intimement convaincu que nous, les Haïtiennes et les Haïtiens, nous avons à inventer une réponse, un projet profondément haïtien et antillais à ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, cette année 2020 qui s'annonce me paraît décisive. Et je vais former pour nous trois vœux. D'abord, un vœu de courage. Je vais souhaiter à nous tous, en l'an 2020, de nous regarder, chaque Haïtienne, chaque Haïtien, dans le miroir de notre conscience, avec le courage de nous admettre ce que nous sommes, de reconnaître ce que nous faisons, ce que nous avons bien fait, et surtout ce que nous avons mal installé dans un déni flagrant des réalités. Nous vivons dans l'une des plus faibles économies du monde. Nos infrastructures sont parmi les plus dégradées au monde. La
La scolarité de nos enfants coûte trop cher. Nous nous faisons soigner à un coût trop élevé. Nos dépenses de fonctionnement et en investissement constituent une inadéquation qui contrarie l'espoir. Et nous devons faire mieux. Notre pays a soif d'un débat national. Un débat qui doit permettre de parler vrai, de parler franc. Mais parler vrai, ce n'est pas parler des personnes pour les abîmer. Ce n'est pas nous renvoyer des accusations. C'est parler de la réalité. Celle qu'on doit transformer. Celle qu'on doit rendre meilleure pour le bonheur à construire. Le vœu de courage, c'est aussi celui qui doit nous permettre de renforcer notre démocratie, de nous protéger des fausses informations, des manipulations et des intoxications. Il est indispensable de rebâtir une confiance démocratique de la vérité de l'information qui repose sur des règles de transparence et d'éthique. Ce vœu de courage, c'est au fond un vœu pour tous de savoir écouter, d'apprendre, à dialoguer et surtout de cultiver l'humilité et l'empathie. Alors, rendons-nous disponibles pour ce courage, car de là peut naître une action utile et qui nous unit. Mon deuxième vœu pour 2020 est un vœu de dignité. Chaque citoyenne ou chaque citoyen est nécessaire pour le projet de la nation haïtienne. Pourtant, ils sont trop nombreux à ne pas se sentir respectés ou considérés. Ils sont trop nombreux à vivre la sensation d'une vie contrariée ou empêchée. Je pense aux mères de famille qui enlèvent seuls leurs enfants. Et je pense à nos braves paysans qui ne demandent rien qu'à vivre dignement de leur travail. J'ai une idée pour les retraités modestes qui ont encore la charge de leurs enfants ou de leurs parents. J'ai une pensée spéciale pour les personnes à mobilité réduite comme celles que j'ai saluées la semaine dernière au palais municipal de Delma. Des réponses doivent être apportées à l'impatience légitime de ces catégories. Cela implique de permettre à chacun, quel que soit son lieu de naissance et quelle que soit sa famille, de pouvoir accéder à une meilleure éducation et grâce à celle-ci, de pouvoir accéder à un travail et pouvoir prendre soin de sa famille. C'est le seul moyen d'assurer à chacun ses droits dans la société et d'attendre de lui des devoirs. Cela, il faut le rétablir. C'est notre responsabilité à tous. Notre dignité de citoyen exige que chacun se sente acteur de la vie de la nation. Nous devons encourager le débat pour ne pas gâcher les avancées de notre démocratie. Sur ce sujet, il y a des décisions à prendre, car d'évidence, le peuple haïtien doit commencer l'expérience de la vie institutionnelle. Mais la dignité, mes chers compatriotes, c'est aussi le respect de chacun. Et nous devons reconnaître avoir vu ces derniers temps des choses impensables. Nous avons entendu aussi l'inacceptable. Nous vivons libres dans notre pays parce que ceux qui nous ont précédés se sont battus sur ne plus subir ni les mauvais traitements, ni les vexations, ni l'humiliation, ni l'avilissement. Et cette liberté, elle requiert un ordre républicain. Elle exige le respect de chacun et de toutes les opinions. Il y a une précaution à prendre par certains qui trop souvent
prennent l'habitude de dénigrer les autres. Enfin, je forme un troisième et dernier vœu, un vœu d'espoir. Espoir en nous-mêmes, qui admettront que nous sommes un grand peuple. Espoir de construire le vivre ensemble. Espoir à notre avenir commun. Espoir à notre Haïti. Je crois qu'Haïti est une puissance culturelle qui porte en elle un projet inédit. Nous devons nous débarrasser de ce sentiment d'impuissance pour assumer. C'est là que réside cet espoir pour 2020. Je sais que notre avenir dépend de notre capacité à nous aimer et à aimer notre patrie de tous les horizons et de toutes les générations. Là est l'énergie d'Haïti. Je suis fier de mon pays, fier de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens. Aux côtés du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, je suis déterminé à mener tous les combats présents et à venir parce que je crois en nous, parce que je dois à mon pays. Je vous souhaite une bonne saison de Noël et une bonne année 2020. Vive la République, vive Haïti. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. En cette période de l'année, dans toutes les familles, dans toutes les maisons, c'est le moment des bilans, c'est le moment des constats, c'est le moment des grandes décisions. Et comme père de la nation, c'est à lui de faire le bilan, et c'est à lui aussi de prendre des décisions. Sous vos applaudissements, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les ministres et les secrétaires d'État, Messieurs les parlementaires, Messieurs les juges de la Cour de cassation, les représentants des institutions indépendantes, Monsieur le protecteur du citoyen, Mesdames, Messieurs les représentants des banques d'État, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le commandant en chef AI et les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général AI et les membres du commandement de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs. Une ancienne coutume veut qu'à cette époque de l'année, les hauts fonctionnaires de l'État se réunissent pour échanger des vœux. Ces fêtes étant celles du renouveau et fidèles à cette tradition, nous voilà réunis encore une fois dans le même esprit. La Première Dame et moi, nous nous réjouissons de vous accueillir ce soir dans les jardins du Palais National afin de vous remercier et vous féliciter d'avoir su assumer vos responsabilités avec le sens du devoir
en dépit de ces périodes difficiles que nous avons dû surmonter ensemble tout au cours de cette année. À la veille de l'année 2020, qui sera déterminante pour l'avenir de notre pays, j'en appelle à votre constance, votre patriotisme et à votre sens de responsabilité. Ces qualités sont indispensables à la bonne gouvernance et à la solidité de nos institutions. C'est d'ailleurs sur de tels fondements que se développera cette nouvelle vision de l'État à laquelle nous aspirons tous. Je reconnais votre contribution, combien indispensable, durant mes 34 mois à la tête de l'État, il me reste encore 26 mois à accomplir. Je vous encourage donc tous à consentir des sacrifices pour transformer l'administration publique en un État serviteur, en lieu et place d'un État prédateur, comme ce fut souvent le cas. Les administrateurs et les directeurs généraux de l'administration publique doivent cultiver plus de transparence dans les actions et utilisation des ressources publiques afin de contribuer à la lutte que nous menons contre la corruption. Cette lutte contre la corruption est permanente, car elle permettra à l'État de dégager des ressources dont il a nécessairement besoin pour apporter plus de services à la population. La plupart des objectifs que nous nous étions fixés n'ont pas pu être atteints en 2019. Nous en avons dû faire face à des tumultes dont les conséquences sont incalculables et pour lesquelles nous nous sommes épuisés à trouver des explications et à apporter des solutions appropriées. Le chemin reste encore long et les nombreux défis à surmonter sont bien réels. Ces circonstances nous ont encore plus persuadés que nous appartenons tous à une seule famille. Alors, il est plus facile de nous comprendre et de nous entendre plutôt que de vivre dans cette division permanente qui nous éloigne davantage les uns des autres. C'est pour ces motifs que le mois de décembre particulièrement a été laborieux dans la recherche de solutions équilibrées capables d'offrir aux peuples haïtiens de nouveaux horizons. Personne, je dis personne, ne peut se vanter de pouvoir trouver tout seul la meilleure réponse à ces maux qui nous rongent. La solution tant recherchée s'offrira à nous seulement si nous nous donnons la peine de nous asseoir autour d'une même table sans condition préalable ni préjugé. Malgré tout, nous avons pu poser quelques jalons pour le futur. Les résultats ne peuvent être immédiats et je comprends l'impatience de certains secteurs de la société. Mais cela ne saurait justifier un quelconque renoncement. C'est pourquoi l'année 2020 est décisive à mes yeux. C'est à ce rendez-vous que je convie aussi la jeunesse. Il lui faut désormais saisir les opportunités qui s'offrent à elle et en profiter pour dépasser et matérialiser ses rêves, comme le font d'ailleurs tous les jeunes à travers le monde. Notre jeunesse est avide de succès.
Il faut donc la garder à l'abri des influences malsaines, du sectarisme, et lui offrir l'accompagnement adéquat pour lui assurer un meilleur destin sur le chemin de la paix et du bien-être. Peuple haïtien, haïtien, haïtienne, frère Maxime, je dis enfin nous, plus passer 2 ans et 10 mois dans tel pays. 2 ans et 10 mois, côté nous entrer dans une grosse université pour nous apprendre. Parce que, pas de l'école sous la terre, côté nous apprendre, nous venons président d'Haïti. Apprentissage ça, il est difficile en pile. Parce que Haïti, maman nous, pays qui a plus passé 200 ans d'indépendance, a souffert. Et pas possible. Possible pour que dans le moment développement nouvelle technologie ça yo nous décider parfois servir avec yo pour nous faire plus mal que bien. Et pas possible parce que Haïti a vive tout près pays qui plus riche sous terre. N'est pas possible parce que nous tous haïtiens nous parlons une langue qui c'est la langue m'a parlé là. Pays n'est pas trouvé dans situation côté plusieurs tribus chaque a parlé une langue. Tout haïtien parle créole. Tout haïtien yon comprend l'autre. Et pourtant nous déchirer, nous diviser. N'est pas possible parce que mais pas fin comprendre, pour ne pas dire pas comprendre, après 2 ans, 10 mois, pour qu'il ça tout gommé ça. Parce que moi, penser être à la tête du pays, ou là pour servir, ou pas là pour nous venir servir, ou donc serviteur. Bataille ça aujourd'hui, mais quoi que, faut nous transformer. Pour nous venir faire toute notre bataille pour le bien commun. Un gourmet qui peut le permettre nous faire face à problèmes qui gagnent dans les affaires éducation, santé, agriculture, environnement, infrastructure et la trier en nos pays. Bataille ça. Que nous avons obligation pour nous transformer. C'est transformation ça qui pourra permettre génération qui venir nous qu'à remercier nous. Et moi quoi? Je vous dis, moi-même qui n'a tête pays, c'est Walpam. Quoi que c'est difficile, mais n'est pas impossible pour nous dire tout acte. Quelle que soit appartenance sociale, politique et religieuse, pour nous chita ensemble, pour nous construire un meilleur demain pour le pays. Pour nous chita ensemble, pour nous connaître que Haïti a une loi qui a dirigé et loi. Il faut nous accepter ces aînés qui te fait. Ça veut dire. Parlementaire qui était passé en vent, parlementaire qui l'a qu'on y a. Homme de loi qui était passé en vent, homme de loi qui l'a. C'est yo qui fait loi ça. Là, nous ne pouvons pas vivre en bas,
faut nous décider de mettre tête nous ensemble pour nous changer ensemble. Mais nous n'avons pas qu'à prendre décision pour nous dire que nous mettons en veilleuse. Ça veut dire nous sommes tous d'accord que la loi que et nous avons fait ensemble qui dit que nous avons joué là, je vous dis à fond pour nous respecter. Si nous n'avons pas décidé de respecter, maintenant c'est pour nous changer. Et pour nous changer, il faut nous changer ensemble. Parce que Haïti, maman nous, les bouquets, diaspora, côté, nous avons dit dans le discours 18 novembre, sous chaque 100 Haïtiens qui connaît bien à écrit, il y a environ 87 qui sont dans le pays. Ça veut dire toute force pays de yon. Et pourtant, nous pas jamais le travail mais dans la main pour nous attirer pour retourner vers la caille pour venir porter soutien à développement pays. Nous connaissons, nous traversé un moment historique côté nous connaissons une crise qui s'appare. Il y a des gens qui disent c'est plus grosse crise qui passe dans le pays. Il y a l'autre qui dit c'est plus gros crise après 1986. Mais ça moi-même m'a dit non comme expérience qui au cœur des événements qui vivent crise ça dans tout chez moi. C'est une crise qui plus dure que me connaît pendant VIPAM. Mais Jean-Premier ministre sous dire nous kembé nous plagué et me remercier nous grand commis de l'État, toutes amis qui là, ensemble avec nous, qui te kembe, qui pour te permettre nous pas plaguer pays dans Katouboumbe. Parce que charge pour diriger pays sont charges qui nous empilent. Et c'est pour ça nous prenons décision pour nous prioriser le dialogue, pour nous prioriser vivre ensemble pour nous prioriser parler yon ak lòt. Parce que Jean Gros ça vient en politique dit la politique li uni li désuni li réuni. L'ennemi politique aujourd'hui a li kase li vin zan moun demain. Zanmi politique aujourd'hui a li kase li vin l'ennemi politique ou demain. Mais en fait pour Haïti faut nous toutes nous prenons une décision ça. Pour nous dire, sacrifice qui vient pour nous faire pour le pays, ça, il n'y a pas de trop grand. Et sacrifice pour nous mettre tête nous ensemble. C'est le plus gros cadeau que nous avons fait à Haïti. Dans la fête fin d'année, ça. Moi, connais le peuple qui a gardé, qui a attendu là, à soi. Le grand problème. Insécurité qui a plongé, il y a un problème de misère. Nous avons plusieurs millions de personnes dans le pays qui vivent dans l'extrême pauvreté. Nous prenons conscience de ça. Mais nous profitons de féliciter la police nationale qui commence à faire un gros travail qui pour mettre les bandits hors d'état de nuit dans le pays. Parce que en principe, j'aime toujours dire, un monde qui choisit pour nous, l'autre citoyen qui vivent paisible, place où. C'est dans la prison que lié. Et je crois que la police travaille pour que tout bandit qui connaît bien que place yo, c'est dans la prison lié. Je félicite la justice qui dans le moment font un gros travail et tout dans le sens ça pour accompagner la police qui pour permettre que l'ordre qui met dans des ordres. Parce que la paix la sérénité, c'est ça que nous avons besoin pour nous mettre le pays sur route de changement tout bon vrai. Réforme que nous avons fait est difficile. Parfois, il y a des gens qui battent tout non. Mais c'est là que nous devons aller. Pas dans quelle autre route encore
si nous voulons quitter un pays meilleur pour l'autre génération qui a venu, faut commencer à poser tête nous une série de gros questions. Pour qui ça, un département, tant que département grandance, pas de 9 km route asphaltée depuis 1804. Faut commencer à poser tête nous une grosse question. Pour qui ça, un département, tant que département nord-ouest, pas de 9 km route asphaltée depuis indépendance nous 1804. Pour qui ça, un département, tant que département sud-est, qui gagnait 12 communes, qui en difficulté parce que yon pas connecté avec l'autre. Ou qu'on sorti côte de fin pour aller Jacques Mel, ou obligé sorti pour tomber Kafou 44, ça veut dire passer dans le sud pour entrer dans l'ouest pour aller dans le sud-est. Ça veut dire, là nous dit faut pays à connecter, faut zone de production qui a connecté avec zone de consommation. Faut communion qui a connecté yon ak lot, même j'en dans département nord-est, côté pour moun sorti mon ben cochu pour aller Valière, faut sorti dans département nord-est pour tomber dans département nord, pour faire tout là, pour passer, sorti sous pillon, pour Saint-Raphaël tomber dondon, pour tomber Kafoumena, pour Kafou, la mort, pour entrer, pour passer jusqu'à quartier Morin Limonade, pour prendre. Trou du Nord, Terrier Rouge, pour remonter pour aller Valière. Quand tu trouves Valière avec mon Bécouchi, il y a 18 km de l'autre. Depuis l'indépendance, pas chambre pour un monde qui pensait pour te faire tracer ou de ça. Et pourtant qu'on y a la fête. C'est changement ça qui est difficile. Et de pour réfléchir, pour changer, on a toujours bien ennui. Wap toujours un gros empêchement, wap toujours une gros barrière. Et c'est pour ça, Assoya, nous demandons à chaque fonctionnaire public qui l'a, courage nous. Demandez-nous, sagesse nous, pour nous comprendre que je dis que nous sommes des serviteurs. Vous êtes des serviteurs du peuple. Nous là pour nous servir, peuple là. Faut nous réfléchir. Là, nous avons une belle machine, nous avons descendu ou bien nous avons monté pour nous songer qui est-ce qui a acheté. C'est l'argent taxe avec impôt, peuple. Faut nous réfléchir. Là, nous avons un bureau côté nous bien climatisé. Faut nous réfléchir. L'argent qui mettait gaz dans la génératrice, parce que courant pas presque gain ça, même qu'on est pour le gagner. Parce que réforme a fait dans le secteur ça. Et nous-mêmes. Nous-mêmes qui dans le secteur public là, qui a travaillé d'arrache-pied pour faire réforme ça, génération qui a venu, qui vient pour dire nous merci. Parce que pas dans quel pays sous la terre qui a vivre avec 4-5 heures de temps courant par jour, ou bien des villes, côté c'est pas froid que vous avez mon courant la donne, c'est les fêtes seulement pour le courant, il n'est pas possible. Haïti, maman nous, pas mérité ça. Et c'est pour ça que la décision est difficile. Mais, faut que nous prenions. Et charge là, je dis, en tant que chef d'État, il n'y a pas qu'un homme même seulement. Il faut le partager ensemble avec nous. Pour nous, chaque, dans le niveau côté, nous bien pour nous agir, nous avons qu'à prendre responsabilité nous face à ces vies peuple-là. Nous allons devoir sans cesse combattre pour offrir à la nation un meilleur cadre de vie. Combattre pour que nos compatriotes vivent dans la dignité, la liberté, la justice et en toute sécurité. C'est une tâche dont je vous sais capable. Et c'est en votre engagement, en vos capacités et en votre sens du devoir que réside mon plus grand espoir pour 2020. Les réformes engagées provoquent des grincements de dents, mais je crois fermement que c'est la voie à suivre si nous voulons sortir le pays des ornières du sous-développement pour le mettre sur les rails de la croissance économique et du développement durable. Je veux réitérer ma disposition
et celle du gouvernement à continuer à travailler dans un esprit de solidarité avec tous nos partenaires internationaux, économiques et sociaux, ainsi que les organisations non gouvernementales, en vue de satisfaire les aspirations profondes du peuple haïtien. Nous formulons aussi des vœux à l'endroit de chacun et chacune de vous, ainsi qu'à nos concitoyennes et concitoyens, où qu'ils se trouvent, en Haïti ou dans la diaspora. À vous toutes et vous tous qui croyez que ce pays peut offrir mieux si on se met ensemble pour travailler au bien-être commun. La Première Dame et moi vous souhaitons un Noël de paix et une nouvelle année prospère. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, c'est le traditionnel toast. Un toast qui sera prononcé par le Président de la République. On va attendre que tout le monde ait un verre entre les mains pour le toast. Monsieur le Président, le toast. Mon plus grand souhait ce soir, c'est de voir mes frères de l'opposition et les alliés du pouvoir se mettre ensemble pour enfin doter ce pays d'un accord politique et d'un gouvernement d'union nationale pour sortir Haïti de cette instabilité chronique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je retends le public au traditionnel le chant. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, Président républicain Jovenel Moïse, à Première Dame Martine Moïse, et puis Premier ministre AIA Jean-Michel Lapin, qui a recevoir, dans le moment où on a parlé là, dans le palais national, traditionnel, salutation officielle, à vœux, gros autorité l'État, dans l'assistance là, il y a un membre pouvoir législatif là, membre corps judiciaire là. L'état-major face à l'armée d'Haïti, au commandement police nationale d'Haïti avec représentant ONGO. Cérémonie ça a déroulé, n'a pas rappelé, dans l'occasion fête fin d'année, qui donc une semaine avant 25 décembre, qui se joue fête Noël là. Donc c'est un rendez-vous chaque année, une semaine avant fête Noël là. Pour le président de la République là, pour recevoir salutations, grand premier l'État. Et parfois, il y a l'autre cérémonie qui fait après, côté président de la République là, recevoir l'autre secteur, tant que représentant corps diplomatique là, qui pas forcément obligé de recevoir salutations ou bien présenter salutations avec le président de la République là, dans le même moment, à grand premier l'État. Alors, il y a deux discours qui marquent l'activité ça. Premier ministre AIA, Jean-Michel Lapin, et président de la République, Jovenel Moïse, il y a même qui présentait vœux exécutifs la nation pour fête Noël là, et puis souhaitons pour aller tout neuf qui va rentrer là. D'abord, Premier ministre AIA, Jean-Michel Lapin, dans l'intervention, il a adressé remerciements à vœux de bonheur à membres corps diplomatique là. Paysan ni Haïti, il dit qu'il était bon côté équipe en place là, ni dans bon ni dans mauvais temps. Chef gouvernement dit qu'il était quoi Haïti a sauté dans mauvais moment la traversé jeudi. Il y a un discours qui était centré sur trois vœux. Premier ministre a formulé à nation, d'abord courage et puis dignité avec espoir.
courage li dit surtout dans cadre d'un débat général et qui doit fait en Haïti côté tout le monde a exposé vision yo pour pays a en toute franchise sans passe pour qui dignité côté le dit chaque monde doit gain place dans société a et spécialement secteur monde à mobilité réduite yo handicapé yo même qui gagne droit à bien-être tant que tout le monde normal et finalement espoir qui c'est troisième vœu a dit espoir dans un plus bon avenir pour la population haïtienne. C'est ça qui te fait essentiel discours premier ministre haïtien Jean-Michel Lapin lui même qui était ouvrir cérémonie avec intervention parlement et tout de suite après président républicain Jovenel Moïse mon côté parlé prend la parole côté lui fait appel à sens patriotique citoyen yo imagine actuellement grand commis l'état pour capable consentir faire un série sacrifice pour permettre l'état bail plus bon service à population à travers l'administration yo pour grand commis l'état yo consenti travail dans transparence pendant pour mettre corruption dans camp loin chef l'état nous fait encore reconnaître pendant 2 ans 10 mois depuis la dirigé pays a personne pas capable porter solution pour un problème Haïti à traverser journée aujourd'hui. D'après le président Jovenel Moïse, c'est Chita parler en toute couche sociale et inclusion jeune qui permet au peuple de râler en souffle. Président républicain Jovenel Moïse renouvelé détermination pour continuer à faire réforme administration publique là, malgré le reconnaître décision pas facile. Mais d'après chef l'État, c'est route difficile ça, même quand mené pays a souvent changement tout le monde souhaitait. Chef l'État a fini discours pour nous souhaiter un mois la paix avec une année 2020 prospère à tout le monde. Pays d'Haïti et dans le moment où tu as trinqué, chef l'État formule le souhait que classe politique, membre d'opposition, pour être ensemble avec alliés au pouvoir, pour Chita, pour aller et pour aborder ensemble le problème pays pour être capable de trouver une solution ensemble pour le pays d'Haïti. Et c'est ça qui était censé mettre fin à partie officielle cérémonie à soyant qu'il y a c'est un moment culturel là nous vivons que le président république là première dame là premier ministre et de son assistance là pour saluer pour inviter tout le monde jeune jeudi qui vient participer à la cérémonie ça rapidement on a profité que les spectateurs suivent ils ont parti dans la cérémonie ça à notre côté bien justement ils ont et professionnel, on a parlé de Albert Chancy qui a assuré partie culturelle qui a animé ce soir. Ouais. Guitariste. Ça net.
chers amis téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti, nous sommes avec vous dans le jardin palais national. Côté nous te permettons de vivre depuis la caillou, cérémonie, salutation officielle avec échange de vœux traditionnels qui habitué fête chaque année, une semaine avant fête Noël-là, dans le palais national. Côté grand commis l'État, vient saluer le président de la République là, et côté président de la République là, tout profiter. Adressé vos liens à la population haïtienne, formé le souhait pour fête Noël là et puis adressé vos pour année cap vini là. Président républicain, dans le discours, nous avons quitté, souhaité une Noël la paix avec une année prospère, une année 2020 prospère à la population haïtienne. Et président républicain, te formulé grand souhait que l'opposition, chita avec allié pouvoir, pour parler ensemble sur ça qui concerne le pays d'Haïti. C'est ça qui te fait essentiel, retransmission ça, pour jeudi, mercredi 18 décembre 2019. Là. Tout le monde qui t'a suivi, un gros merci. Merci à la direction générale, direction information, direction technique, là, unité mobile. Là. Madame, c'est Sabine Jaitien. Merci tout le monde, bye. Voilà. Équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui t'est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne. C'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.